Bonjour, bonjour. Alors, quand il a été éliminé, après, donc, il a été interviewé par plusieurs médias, et puis là, je crois que c'est Pure Média qui l'a interviewé sur les critiques. Bon, et par rapport à ça, donc, il a répondu, ça ne m'atteint pas, je m'en moque complètement, je n'ai pas de réseau social, bon, mes proches en ont, mais j'évite de regarder, on m'a remonté certaines critiques, mais ça ne me touche pas, les jaloux et les rageux qui critiquent derrière leur écran, c'est tellement simple, venez me défier sur le plateau, et je m'inclinerai avec plaisir, mais baver, casser du sucre sur les gens, ça ne sert à rien. Bon, je crois qu'il a toujours pas compris le délire, c'est-à-dire que bon, moi, de mon côté, je ne l'ai jamais critiqué sur le jeu. C'est-à-dire que quand je critique le jeu, c'est la production. C'est-à-dire que comme vous le savez, tous les maîtres de midi, comme Alexandre en ce moment, comme le prochain maître ou la prochaine maîtresse de midi, ils sont avantagés. C'est le jeu. Voilà, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. D'accord? Bon. Après, c'est le comportement. Bon. Lui, il n'a pas compris encore. Il n'a pas compris. Si, il a compris. Je vais vous dire pourquoi il a compris. Parce que, à la fin, si vous me suivez, bon, parce qu'il y a des gens qui me suivent, puis des gens qui viennent comme ça, bon, si vous avez vu mes dernières vidéos, eh bien, dans mes dernières vidéos, on pouvait voir que son petit doigt en l'air, c'était terminé. Il saluait comment dire, le candidat, et voilà. Et après, il dit, oh non, moi, les réseaux sociaux, ben, ça ne m'intéresse pas. Eh bien, si, puisqu'il a arrêté avec son doigt, et puis il est devenu beaucoup plus fair-play. Donc, voilà. Bon, allez, c'est tout par rapport à ça. Et puis, je trouve qu'on n'a pas assez parlé encore de Sarah, mais bon, pour l'instant, j'ai d'autres choses à faire. Allez, je vous dis à plus tard. Bye bye.